Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je vous emmène avec moi 3 jours dans la semaine pour vous montrer mes tricots petit à petit. Je suis contente, ah oui non, tout ce dont je peux vous dire se retrouve en lien en dessous. Je vous mets les liens vers mes fiches Ravelry qui sont assez bien complètes normalement et vous pouvez me suivre sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire l'eau demoiselle. Voilà, normalement j'ai fait l'intro complète que j'ai beaucoup de mal en fait à reproduire chaque semaine, mais c'est pas grave. Je suis contente de vous retrouver, une nouvelle semaine commence, les vacances scolaires, pas de vacances pour moi, je travaille, c'est même un temps fort puisque plus de monde, surtout mes plus grands, mes péris, tout ça, mes garçons qui sont à la maison aussi, donc ça fait quand même beaucoup plus d'agitation, mais c'est pas mal, ça change. Voilà, c'est 2 semaines, et dans 2 semaines, je serai contente de retrouver notre petit train-train un peu plus calme, avec que mes plus petits et tout, mais bon. Voilà, ce sont les vacances, ça signifie pas forcément moins de tricot pour moi. Je vous l'avais dit, finalement, j'ai toujours quand même l'impression que c'est le week-end que j'ai un peu plus de mal à tricoter, parce qu'on fait plein de choses qu'on veut pas prendre le temps de faire en semaine. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, je porte le pull Home Before Dark de Nadia Crétin Les Chênes, MC Anis, que j'ai tricoté, que j'ai testé donc pour elle il n'y a pas longtemps et qui vient tout juste de sortir et que je peux enfin profiter pour le porter. Et je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup et il vous a beaucoup plu aussi, hein, je lui ai fait déjà sa petite vidéo dédiée. Vraiment un gros coup de cœur pour ce modèle basique que je vais mettre et remettre beaucoup cet hiver. D'ailleurs, vous avez pu voir dans les petites images en début, en intro, que j'ai fait un changement de dressing. J'ai sorti, j'ai rangé tout ce qui était printemps-été, je l'ai sorti de mon placard pour y rentrer l'automne-hiver. Et en fait, j'aime beaucoup faire une rotation parce que bah, déjà, de toute façon, sinon tout ne passe pas dans mon dressing. Ensuite, je redécouvre des pièces, je suis super contente et puis je suis très automnale. J'ai vu là, même des pulls que je pourrais porter là, mais qui sont dans les tons roses, pâles, ou qui sont assez peps, assez fluo. J'arrive pas à les porter là à l'automne. Vraiment, je suis très saisonnière, il n'y a pas. Donc je les ai mis de côté, je les ressortirai pour le printemps. Voilà, au mois de mars, l'an prochain, ça me paraîtra bien parce qu'au mois de mars, en fait, j'arriverai pas à reporter mes couleurs d'automne. C'est comme ça. Donc j'ai ressorti tous mes pulls, j'en ai retrouvé certains, c'est bête hein, que j'ai pourtant, par exemple mon pull Flori de Nadia, justement j'adore ce pull, et le retrouver, je me suis dit, oh, j'étais trop contente, voilà, le fait de l'oublier, de plus le voir pendant quelques mois, ben, ça fait plaisir de le retrouver. Je fonctionne pareil avec mes petits, on fait une rotation dans les livres, les jouets, et comme ça ils ont l'impression de redécouvrir des nouvelles choses et ils sont contents. Et finalement j'ai pu voir le ressenti qu'ils ont parce que j'ai eu là, je pense, le même ressenti avec mes pulls et mes châles. Surtout par exemple des châles que j'ai tricotées en fin de saison l'an dernier et que je n'ai pas eu beaucoup le temps de porter, et là vraiment je les redécouvre, je suis trop contente. Alors donc le niveau du... donc tous mes pulls je les ai sortis de bac, puisqu'ils sentent un peu la poussière j'ai utilisé le désodorisant du fil à retordre qui sent super bon, je crois que ça l'a... je sais plus, verveine peut-être, j'ai un doute. Bon bref, il sent super bon. Donc voilà, j'ai chpiché quelques pulls pour leur donner un petit coup de frais sans avoir à les laver. Par contre, je suis en pleine session de lavage de tous mes tricots de printemps et d'été. Et j'avoue que maintenant, j'hésite plus. 70% de mes tricots passent à la machine à laver. Au début, je faisais qu'avec des pulls faits avec des laine drops. La Nord, la Lima... voilà, les pulls à mon chéri parce qu'il les salit, mais fort, il les salit facilement, tout ça, il vit un peu trop avec ses pulls, donc les siens aussi. Et j'ai découvert que ma machine à laver, son cycle laine, franchement, il est top et il abîme pas du tout mes tricots. Parce que je sais que certaines d'entre vous m'ont dit, ben des pulls en or de drops, ils sont sortis feutrés de la machine à laver. Et moi, je pense qu'en fait, tout dépend déjà de la machine à laver qu'on a. Moi, la mienne, son cycle laine fonctionne très bien. Donc je peux descendre la température à 20 degrés, donc ça correspond à peu près à la température ambiante. Bon, quoi qu'elle est dans le garage, donc il fait quand même plus frais, mais par rapport à la maison, à ce que les tricots ont habituellement, je pense que 20 degrés, bah voilà, moi ça m'a pas posé, ça pose pas de problème. Quand elle est en cycle laine, elle fait pas plus de 800 tours par minute, donc ils sont essorés à 800 tours. Maintenant, quand je lave un pull à la main la première fois, surtout pour pas m'y risquer, souvent maintenant je les essore quand même à la machine à laver et je fais 1200 tours.
Je les mets toujours dans des filets pour être sûre qu'ils ne viennent pas s'accrocher quelque part sur la machine à laver, on sait jamais. Donc je les mets dans des filets pour être sûre. Et j'avoue que j'ai pas de soucis. 70% plutôt de mes tricots de printemps-été sont passés à la machine. Donc même les pulls de laine de teinturière sont passés à la machine. Je pense à mon pull Lorette que j'ai tricoté avec de la laine Heidi Dea et. Oui, Yarneline, je crois, pour les rayures. Ce sont deux laines super wash et en fait il est passé nickel à la machine. Mon pull Paris-Brest est passé à la machine. Alors ce que j'ai pas mis à la machine par exemple là ce sont mes Rocky Tee parce que je sais pas le mohair. Je sais pas trop comment ça vieillit. J'ai jamais testé le mohair à la machine à laver. J'ai déjà testé de juste l'essorer mais pas de laver. Donc je me suis pas encore risquée. Je n'ai pas fait par exemple mon top iris de longue avec Anna qui est dans une laine de l'écheveau solidaire qui n'est pas du tout super wash, qui feutre déjà sous les emmanchures, je m'y suis pas risquée. Et dernière chose que j'ai par exemple pas mis, j'ai pas mis mon top Tamias parce que je ne sais plus du tout si ce rose bien peps, on va y arriver, déteint ou non. Donc j'ai préféré ne pas prendre de risques. Voilà, dans les sacs, je les regroupe par couleur, tout ce qui était beige, tout ce qui était rose, mais je sais que c'est des choses qui ne déteignent pas. Par exemple, mon top Mademoiselle Kate en Garance et compagnie, bah, il est passé à la machine à laver et nickel. Donc après, on a fait tout sécher à plat. Vu qu'on avait fait un peu de feu, en une journée, ça avait été sec. De celle-là, c'est super bien essoré, donc ça sèche quand même plus vite. Et je viens déjà d'avoir lavé. J'ai ma deuxième fournée qui est en train de sécher. Après, il me restera tous les tricots que je dois laver un peu à la main. Mais voilà, là j'ai quand même déjà fait le plus gros. Tout ce qui devait passer en machine est déjà passé en machine. Il y a la moitié qui est déjà sec, rangée dans la boîte. L'autre moitié finit de sécher et sera bientôt rangée. Donc voilà, c'est vraiment le gros nettoyage avant de remettre en boîte. Et quand je le ressortirai, juste un petit coup de désodorisant. Je ne le relave pas, les boîtes sont bien hermétiques et tout. Je m'amuse pas à les relaver parce que ça prend de la place. Parce que bah ils étaient propres quand même dedans. C'est juste au pire un peu d'odeur de renfermer, mais je trouve que ça passe vite, donc bon bref, voilà, je m'embête pas non plus à trop les laver, j'ai pas que ça qu'à faire. Alors forcément, en vrai, je vais les relaver dans la saison, mais puis là, je vais les porter 2-3 fois, je vais les laver, quelque chose qui va avoir fait une grosse tache, bah il passera en machine à laver pour être détaché, mais c'est vrai que là, pour être sûr, tout le monde passe au lavage avant d'être mis en boîte. Voilà, ça c'était pour les petites choses. Donc ce week-end, bah, nous avons fait la voiture. C'était la première sortie officielle de mon sac qui vous a beaucoup plu, mon très joli sac à tricot cousu par Véro, par Véronique, des petits points de Véro que vous verrez donc au Ch'ti Bazar. Voilà, et je l'ai fait sa première sortie officielle, j'étais contente. J'ai tricoté un petit peu ma chaussette, un petit peu mon Alpine Bloom, je vais vous remontrer après. C'était pas évident le jacquard dans la voiture, je m'en doutais, mais j'avais tellement envie quand même de le tricoter que je l'ai tricoté un peu, mais on a pris quand même beaucoup de virages, j'ai l'impression, beaucoup de ronds-points. Et ma feuille, mon support avec ma grille arrêtait pas de bouger tout ça. C'était pas tip top. Mais bon, j'avais avancé un petit peu dessus. On va faire un petit point sur mes tricots et après je vous montrerai ce que j'ai reçu ce week-end parce que j'ai reçu pas mal de choses. Le Steven West, je vous le montre à la fin. Je vais faire comme les autres semaines, je pense que c'est bien. Comme ça, ceux qui veulent pas le voir, vous n'avez pas à sauter à chaque fois des passages. Je vous en parlerai qu'à la fin du vlog. Première chose, ma petite chaussette qui a pas finalement beaucoup avancé. Je l'ai pas tant tricotée que ça. Donc le modèle Fais-moi peur de Lisandre Ourdin. Hein. Je vous avais quitté, j'en étais là. Bah, j'ai fait mes rangs avant mon talon, puis j'ai fait mon petit talon. Voilà, là j'ai commencé le gousset, les diminutions du gousset tout simplement. Bon, j'ai pas fait énormément, mais ça avance un petit peu. Idéalement, ça serait bien que je la termine cette semaine. Il n'y a plus de voiture, il n'y a pas d'école, c'est pas gagné. J'utilise un petit contrant de chez Mademoiselle Pluche. Ces versions, j'aime beaucoup ces contrants, hein, mais sa version chaussette, la mini. Franchement, elle est top. Elle est top, elle est top. Donc voilà, dans les laines de Bulbe Bizarre hein, de Pauline, son kit manoir hanté. Il va me rester un peu de reste, un petit peu pas mal en fait. De quoi peut-être refaire une paire plus tard, garder pour essayer de réutiliser pour d'autres chaussettes. Voilà que je transporte dans ma sacoche du fil à retordre, la petite pochette à chaussettes avec la citrouille. C'est tellement parfait pour ma peau.
Autrecours qui n'a parlé pas du tout avancé, je vous le remontre pas, c'est le test pour Laetitia, même les anges tricotent, le pull coffee, j'ai pas du tout avancé ce week-end, je vous le remontrerai je pense un peu plus tard dans la semaine quand j'aurai avancé. Je sais que j'ai le temps parce que j'ai tout le mois de novembre-décembre pour le tricoter, donc voilà, pas de pression. Je vais savourer parce que c'est vraiment un petit plaisir de tricoter cette laine de d'Audrey de teinture lurée. Et donc, dans mon nouveau pochon de Maison Clanfer que je vous avais montré la semaine dernière, j'ai donc mis mon Alpine Bloom. Je ne sais même plus où j'en étais. Je vous l'ai montré, j'avais commencé peut-être un tout petit peu le jacquard. Voilà ce que ça donne. Oh, j'aime beaucoup. Alors on en parlait parce que donc, je tricote avec Mélanie des aiguilles aventurières et Céline de la chaîne Céline Ficelle. Je vous invite à aller voir leur vidéo. Pour Céline, il faut la suivre pour l'instant sur Instagram pour voir, il n'y aura pas de vidéo avant début novembre, parce qu'elle est en vacances, mais elles ont toutes les deux des versions très différentes. Alors elles ont toutes les deux une base bleue, bleu marine, bleu foncé pour le corps, mais elles ont choisi deux couleurs totalement différentes pour le jacquard. Je vous laisse aller découvrir ça. Ça leur fait des versions bien peps. Moi, c'est un peu plus fondu. En fait, on voit moins. Quoique là, la caméra, vous avez des meilleurs contrastes. Moi, en vrai, parfois, je vois un peu moins bien le centre, le cœur des fleurs. Parce qu'il y a des. Parfois, la laine de ma laine que j'ai utilisée, celle de Didier, au fil d'Horus, elle a des nuances qui se rapprochent beaucoup de ma laine principale. Mais ça me dérange pas, j'aime quand même pas mal le rendu et tout. Et globalement, à la fin, le jacquard se verra bien. Et j'aime beaucoup, moi, c'est voilà, c'est mes couleurs pour moi. Pour l'automne, c'est parfait, c'est ce que j'aime porter. Vous voyez, ça, c'est pas quelque chose que je vais porter au printemps. Non, au printemps, j'aurais envie de couleurs claires, de rose, tout ça. Pas de couleurs de marron ou autre. Non, c'est vraiment pour l'automne. Et je me régale à le tricoter. Le jacquard, il est pas compliqué. Parfois, il faut croiser ses fils. Il y a quand même pas mal, vous voyez, on fait quand même pas mal de fleurs tout du long du yoke. Donc on retient bien toute la répétition de mailles qu'on doit faire. On se repère bien parce que c'est un motif représentatif, vous voyez bien les feuilles se dessiner, tout ça, donc c'est pas mal. Ça, franchement, c'est simple, c'est pas compliqué. Alors pour un premier jacquard, je vous dirais pas. Je vous conseillerais peut-être pas parce qu'il faut quand même croiser ses fils, il faut gérer parfois les augmentations en même temps que le jacquard. Mais si vous avez déjà fait quelques jacquards, c'est pas l'un des motifs les plus compliqués. J'aime beaucoup le rendu. Donc il a quand même bien avancé ce week-end, je m'attendais pas à avancer autant. Mais voilà, je suis contente, j'avance tranquillement, avec plaisir. Vous voyez, bah, là aussi c'est un contre-rendu de chez Mademoiselle Pluche. Hop. Avec nos initiales à mon chéri et à moi. Donc pour rappel, je tricote avec la Baby Alpaga de Lang Yarns que j'avais eu chez Justine, une tasse de filet d'aiguille, et là un écheveau de Didier Dauphile d'Horus sur sa base Luxor. Et c'est le coloris pyramide et j'aime beaucoup. Voilà, donc lui, bon bah il va continuer à avancer tranquillement cette semaine. Je sais pas du tout si je vais finir tout le jacquard cette semaine. Je sais pas. Est-ce que j'arriverai à la séparation des manches ou pas? C'est la surprise vendredi. Sinon, donc bah en fait ça ce sont mes encours. Voilà, on a fait le tour de mes encours et je vais vous parler de ce que j'ai reçu. Donc de la part de Noémie de You Need to Learn, elle m'a gâtée. J'ai reçu son pins. Très très chouette avec son logo. Et, hein, c'est comme un pins. Très joli avec ses couleurs. Elle m'a envoyé aussi ses petites cartes mémo tricot en cours. Je trouve ça pas mal parce que moi c'est vrai que parfois je me lance dans un tricot et je prends pas le temps de noter. Si je me dis que ça, si ça reste à portée de main, à portée de vue, j'y penserai peut-être davantage à mettre voilà, les petites indications de départ, c'est pas mal. Surtout la date de début, moi c'est quelque chose que j'oublie facilement. Parce que après, je vais revenir faire ma fiche Ravelry, mais qu'après. Oh, et j'en aurais oublié la moitié. Et je vous montre également l'arrière de la petite carte. Voilà, il y a même un petit encart pour prendre des petites notes. C'est vraiment chouette. Puis ce bébé là, il est trop rigolo. Et surtout, elle m'avait contactée pour me faire découvrir ses étiquettes pour les cadeaux. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait des étiquettes à chaussettes pour offrir des chaussettes. Regardez-moi ça. Vous voyez, en fait, hop, avec les indications de lavage, et on vient. Alors que je le fasse bien, hop, on vient plier l'étiquette.
et on vient donc mettre sa paire de chaussettes là, puis avec un petit fil là on vient coudre pour que l'étiquette soit sur la paire de chaussettes. C'est vraiment trop chouette pour les offrir. Donc elle a ce modèle là pour Noël et elle a également celui-ci pour toutes les autres occasions. J'aime beaucoup, c'est super joli. Très très beau. Et depuis pas longtemps également, elle a sorti des petites étiquettes pour les cadeaux de naissance. Que je vous montre. Tricot d'amour. Pour te souhaiter la bienvenue. Oh, regardez comme c'est trop mignon. Et il y a plusieurs tricots d'amour pour bébé mignon. C'est trop choupi. Et le dernier modèle qu'elle m'a envoyé avec un petit cerf. C'est vraiment trop choupinou. Et puis avec les conditions de lavage en dessous. Donc voilà, c'est super beau. Et elle les vend donc sur sa boutique. Je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Je trouve ça trop choupi. Et en fait voilà, elle met aussi comment les utiliser. Vous voyez. Voilà. Donc ça c'était de Unitooler. Donc encore un grand merci à toi Noémie. Vous savez, moi j'aime beaucoup son travail. Aussi bien pour ses patrons de... j'avais porté le super cosy, la sweater, j'étais trop bien la semaine dernière. Et sa manière aussi de vraiment partager énormément de choses sur la communauté tricot, tout ça, c'est ses interviews et tout, je trouve ça super bien. Et ensuite, j'ai reçu également de la part d'Apollonie. Donc vous savez, hein, je suis ambassadrice et je reçois chaque mois sa petite fleur du mois. Hop, comme toujours, on a une petite carte avec une étiquette en petit cadeau. Et là j'adore, je crois que depuis que je les reçois, ça doit être ma fleur préférée. Il s'agit de la fleur de courge sur un anneau classique et un anneau qui s'ouvre là pour comme Progress Keeper. Je les trouve super jolies. Donc c'était les petites réceptions du week-end. Et ben c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi. Aujourd'hui, je porte deux tricots, un duo que j'aime énormément porter ensemble. Donc au-dessus, j'ai mon gilet, le Quiet Star de Rory Locatelli, que j'ai tricoté en Madeleine et Philibert au deuxième festival du film de la Manche. Je me souviens, j'avais vu la photo la veille où elle avait mis, par exemple sur Instagram, il me semble, son stand qui était prêt. On avait été le samedi ou le dimanche, je sais plus. Et quand on y est allé, je les avais déjà repérés sur la photo, je me disais, oh, je veux ces écheveaux-là. Bref, un joli souvenir. Un très joli gilet avec, voilà, ce col châle, toute cette dentelle-là partout sur le devant. On la retrouve dans le dos, vous voyez. Hop. Et on a un point de semis-là partout ailleurs. Donc dans mon souvenir, il avait été assez long à tricoter, mais franchement, il est tellement beau. Parfois je me dis, ça serait un modèle que je referais, parce que j'aime beaucoup ce gilet-là, mais j'aime rarement faire deux fois la même chose, donc c'est dommage. Mais ouais, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et en dessous, je porte le modèle Missurina de Kathleen Hunter, que j'ai tricoté ici en lafé fil, sa passe crème, et du Tolemata Yarns pour utiliser un peu plus de ma laine contrastante. J'avais utilisé pour les côtes ici, les côtes en bas et puis au niveau des manches. C'est un t-shirt, c'est pour ça que je porte souvent les deux ensemble, parce que le t-shirt là avec du jacquard ça tient quand même assez chaud. Je l'ai fait dans des, vous voyez là le caramel, c'est très bien pour la saison et donc je le porte avec ça. Sur le coup lui il a failli te ranger avec tous les t-shirts d'été et je me suis dit non, je le mets avec mon gilet, donc je l'ai ressorti de mon
Il vient tout juste d'être lavé, d'être passé en machine, mais il est reparti dans le placard parce que non, c'est quelque chose que je veux mettre là tout de suite. Donc voilà pour ce que je portais. Et ben on va rester avec Kathleen Hunter et je vais vous montrer mon Alpine Bloom. Parce qu'au final, c'est un petit peu la même idée. Enfin, quoique, le Missurina, il a quand même ici la dentelle entre les motifs. Ça fait comme des grandes fleurs. Je sais pas si vous les voyez bien. Vous voyez, on a la fleur ici, on a les feuilles. Et entre les deux, il y a une torsade. Et là, il y a une sorte aussi de pointe semi, mais pas vraiment. Bref. J'avais fait la texture sur tout le corps. Et donc le Alpine Bloom hein, de la même designeuse. Voilà où j'en suis. Alors si je vous le mets à l'endroit, peut-être déjà ça serait mieux pour voir le motif. Alors là, il y a une petite fleur, il y a ses feuilles, et là on voit la grosse fleur qui se dessine. Ouais, non, c'est pas évident. Où est-ce qu'elle est là? Là, la grosse fleur qui se dessine. J'ai dépassé la moitié de la fleur. Hop, hop. Alors, quand je vous l'avais montré, j'en étais à peu près là. Je suis venue mettre un nano-marqueur parce que même moi, je me vois plus avancer là-dessus. J'ai mis le petit dernier de chez Apollonie. Là, je vous ai dit, j'aime beaucoup. Autant sa forme, ses couleurs, la fleur, j'adore. J'en étais là, j'ai quand même fait tout ça hein, depuis lundi. Donc, ça avance, ça avance. Oh, c'est pas mal. Hein. Alors, je me suis rendu compte que c'est un tricot que j'ai du mal à faire le soir ou tôt le matin parce que il y a des fois où les nuances elles se mélangent et je vois pas forcément bien mes mailles, la différence entre une couleur et une autre, donc c'est pas forcément toujours évident. Donc, je privilégie le tricot dans la journée où il fait jour, où je vois bien mes couleurs. Ça me facilite un peu la tâche. Là, j'ai fait quand même, je dirais, les trois quarts du jacquard. J'ai fait un bon deux tiers. Un bon deux tiers, peut-être pas encore un trois quarts. Et voilà. C'est un jacquard qui est quand même grand. Oui, il y a plus de rang que sur celui-là. Il est assez long en hauteur. Je crois qu'une fois qu'on a fini le jacquard, on doit certainement séparer les manches parce qu'il va descendre quand même assez bas. Ouais, on verra. Bah donc voilà, il avance, il avance. Est-ce que j'aurai fini pour la fin de la semaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai fini le jacquard. Peut-être. Faut que je me motive. Faut que je me motive dessus. Alors, c'est... Oui, non, pour un premier jacquard, je le conseille pas trop. Parce qu'il y a des augmentations. Ou alors, faut prendre bien... Faut pas faire comme moi. Faut prendre deux couleurs qui soient bien différentes l'une de l'autre. Et puis des augmentations, on en a quand même encore pas mal. Là, je crois que j'ai encore au moins deux rangs d'augmentation dans le jacquard à faire. J'ai changé de câble parce que mon câble était trop petit, mais celui-là, vous voyez, il est déjà juste. Je pourrais pas, là, par exemple, le bloquer et le mettre complètement en rond parce que mon câble, il est beaucoup, beaucoup trop petit. Ouais, non, vous voyez. Après, on croise parfois ces fils, mais là, je sais que j'ai fait pas mal de rangs sans les croiser. Voilà ce que ça donne derrière. Parce que je sais que finalement, vous aimez bien voir l'arrière. Ça fait propre, hein? Je les croise, voilà, quand, à partir du moment que j'ai 6-7 mailles, je croise mes fils. Mais ça nécessite pas trop trop de croisement. Alors il y en a, hein. Là en ce moment je suis dans une zone où je croise mes fils. Je suis tout au début d'un rang, donc je vais pas pouvoir... J'arrive pas à vous... Bon, bref, je croise mes fils parce que je fais des longues... je crois qu'il doit y avoir 9 rangs d'une couleur, un truc comme ça. Mais c'est vrai que toute la partie là, les grosses fleurs... Là, ici, il n'y avait pas trop à croiser ces fils. Ça se faisait bien. J'aime beaucoup, par contre, il va être super doux, il va être super chaud. Donc, comme je vous disais, un t-shirt, en fait, là, en jacquard, c'est tout doublé à ce niveau-là, ça tient chaud, quoi. Puis là, baby alpaga, ça tient chaud, le bébé alpaga. Par contre, c'est d'une douceur. Entre le bébé alpaga et la laine de Didier, là, c'est sa base Luxor. Le fil, c'est un fil single. Vous voyez, il n'est pas retordu, il est bien rond. Super doux, j'aime beaucoup. Très, très agréable à tricoter. Mon écho diminue pas mal, hein, quand même. C'est un jacquard qui consomme quand même pas mal de laine, parce qu'il y a quand même pas mal de rangs. Mais de toute façon, voilà, une fois qu'il sera fini, le plus fun sera passé. Donc, c'est pour ça que lui, je compte rallonger les manches. Pas le faire en manches courtes, je vais le faire en manches longues, pour vraiment que ça soit un pull... pour cet automne-hiver, parce qu'en t-shirt, franchement, ça vaudrait pas le coup.
ça vaudrait pas le coup. Donc voilà, pour mon Apple Bloom, en soi il est pas compliqué, mais il demande de l'attention, et là il est très agréable à tricoter. C'est beau de voir le dessin, même si, alors, voilà, moi comme mes couleurs, elles sont, parfois elles se mélangent un peu, c'est un peu, je suis fort concentrée dessus. Mais je pense que quand on utilise deux couleurs bien contrastées, on voit bien la fleur apparaître et ça doit être encore plus joli. Ensuite, niveau chaussettes, je pense que j'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré. Je sais pas où j'en étais en début de semaine. Non, j'ai pas avancé. J'ai pas avancé dessus et j'avancerai pas dessus parce qu'on a. J'ai apéro tricot vendredi soir à la mercerie de Justine. Il y a Garance et compagnie qui sera là, donc Karine. Et je me suis dit que c'était le tricot parfait pour l'apéro tricot. Donc j'avancerai pas du tout dessus cette semaine. Vous la reverrez, je pense, en début de semaine prochaine, terminée. Je la terminerai ce week-end. Mais c'est ce que je me réserve pour l'apéro tricot du samedi soir. Et d'ailleurs, il faut que je prévoie quelque chose pour le samedi après-midi parce qu'on va au match à Noah. Et j'ai pas de tricot compatible pour l'instant. Donc il va falloir remédier à ce problème-là, c'est-à-dire avancer sur un des deux pulls que j'ai sur mes aiguilles. Donc le deuxième pull qui avance tranquillement, c'est le pull pour même les hanches tricotes, le test du pull Coffee. Je voulais pas montrer parce que j'avais pas avancé dessus, je sais plus. Bon bah là, bref, là je viens vous le montrer. Donc lui je le tricote mais plutôt quand il y a moins de lumière. Parce que c'est moins compliqué à suivre. Et voilà, hop, ce que ça donne. Alors je lui ai mis les petits anneaux marqueurs de création Solognotte que j'avais reçu le mois dernier. Alors quand je vous l'ai montré la semaine dernière, j'en étais là. Donc j'ai tricoté tout ça. Donc vous voyez, c'est la dentelle du dos. C'est la dentelle dans le dos qui réduit petit à petit, hein, là, hop, vous voyez à partir du côté, là on a de plus en plus, je sais pas où est-ce que vous voyez le mieux, on a de plus en plus de jersey, on a des petits anneaux marqueurs, alors qui normalement ne bougent pas, normalement ils viennent ici fermer la zone de dentelle, mais moi je les déplace à chaque fois qu'on réduit d'un motif pour pas m'y perdre en fait, pour être sûr de... Voilà, je trouve que c'est plus simple pour moi, mais normalement il bouge pas en fait, il est là, vraiment ça, on les place une fois au départ, et après à nous de compter les mailles de jersey ici, quand on diminue de motif, et moi j'ai préféré, je les décale à chaque fois. Enfin bref, ça c'est juste un petit détail. Donc là je continue le dos jusqu'à avoir la même hauteur que j'ai là sur le devant avant de rejoindre en rond. Et ensuite je rejoindrai en rond, et... Même s'il est rejoint en rond, il demande encore un peu de concentration parce que la dentelle dans le dos sera pas encore finie quand je vais rejoindre en rond. Je vais y arriver. Donc je sais pas trop. En fait, idéalement, il faudrait que j'ai fini mon jacquard pour samedi pour être que sur une mer de jersey, pas à réfléchir du tout. Parce que quand on est au match de Noël, il faut un tricot vraiment zéro cerveau. Parce que là, bah, ça demande quand même que j'ai la grille avec moi, d'être quand même concentrée un minimum sur la dentelle, même si elle est pas compliquée. On répète toujours le même motif tout le long, mais ça demande quand même un minimum de concentration. Oh, ça rend super bien, je sais pas si vous voyez bien. Avec les trous. Donc voilà, lui il avance bien, je suis contente, c'est toujours un vrai plaisir à tricoter, c'est... Pour l'instant, il n'y a pas de difficulté, c'est bien expliqué. Le fil est très agréable à tricoter et très joli. Il me tarde d'être en rond pour avoir aussi quand même un petit peu moins de fil. Parce que vous voyez, j'ai mis des fils un petit peu en attente partout. Mais voilà, donc il avance aussi tranquillement. Ça va être pas mal. Ça va être vraiment pas mal. Donc ça, le pull Coffee qui avance à son rythme cette semaine. Donc voilà, on a fait le petit point sur mes encours en ce milieu de semaine. Je vais venir vous parler d'un petit colis que j'ai reçu la semaine dernière, en fin de semaine, de la part de Long Yarns. Hop, je l'ai reçu dans cette boîte-ci. Donc vous savez, je suis partie de leur programme Blogger Box. Et donc, ils m'envoient leurs petites nouveautés de manière très... Je sais pas à quel rythme encore tout ça, puisque c'est tout récent. Mais voilà, au cours de la saison, ils m'envoient leurs petites nouveautés. Et la dernière fois, j'avais reçu deux échevaux de muse. Je commence à savoir comment les tricoter, avec quoi les tricoter. Et là, cette fois-ci, ils m'ont envoyé un colis pour faire découvrir leur nouveau mohair. Donc le mohair 21. Donc il est à peu près de la même épaisseur que le lace, c'est-à-dire qu'il y a... Attendez, avant que je vous dise des bêtises, je regarde sur la pelote, le métrage.
Il est un peu, mais il y en a, il est même peut-être plus fin que le lace, parce qu'il y a 375 mètres pour 25 grammes. C'est un mohair un lace qui se compose de 58% mohair 21 microns, super kid, et 42% de soie. Donc par rapport au mohair classique, quand on trouve un mohair classique, c'est 210 mètres pour 25 grammes, c'est un mohair qui con... enfin, c'est un lace, un fil lace qui contient beaucoup plus de mohair et donc beaucoup moins de soie. Et chez Langerne, on trouve quand même pas mal de lace où il y a une légère majorité de mohair, mais il y a quand même beaucoup de soie. Vous savez qu'ils ont un métrage beaucoup plus conséquent dans les pelotes, mais c'est un fil qui est beaucoup moins poilu. Donc c'est un fil qu'on va pas pouvoir tenir seul. Tout seul pour le tricoter. Moi j'ai fait le test dans mon pull, le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. J'ai utilisé la lace de Langerne. Il faut normalement un fil de lace tout seul pour faire les parties en dentelle. Moi ça ne rendait vraiment pas possible, j'ai dû doubler le fil. Donc voilà, c'est un fil qui est très généreux en termes de métrage, mais qu'il faut parfois doubler, voire tripler pour avoir l'effet voulu. Et donc j'ai reçu cette petite nouveauté de chez eux et regardez-moi tout ce que j'ai reçu. C'est un petit peu fou, j'ai reçu complètement une boîte complète de mohair. Donc de quoi me faire un projet complet, là il n'y a pas à dire. Et donc bah, j'ai réfléchi encore. J'en ai parlé avec Justine, on s'est donné des idées et tout. Donc comme je vous ai dit, si je le tricote seul, forcément tenu en double. Et encore, faudrait faire un échantillon pour voir si c'est quand même pas trop ajouré. Mais je pense, j'ai commencé à avoir une idée de ce que je vais faire et il me faudra, je pense que je vais l'associer à la jawal de langue et je vous en reparlerai quand je commencerai. Mais voilà ce que j'ai reçu, un très joli violet. C'est une couleur que j'ai pas dans mon dressing, un violet comme ça. J'aime beaucoup, il est super doux. En fait, de cette là, voilà, c'est 21 microns, super kid. C'est un mohair d'une douceur incroyable. Déjà que le lace de langue il est très doux, mais celui-là il est encore plus doux. Qui est vraiment très très doux. Alors là vous voyez les poils hein, parce que c'est sur la pelote, mais le fil tenu tout seul, il est extrêmement fin et pas très poilu. Vous voyez, si je vous montre un fil tout seul là, il est vraiment tout fin tout fin. Donc j'ai repéré un modèle où il faudrait que je double le fil plus un fil de fingering. Je pense que j'aurai la. Ça me permettrait d'avoir la bonne le bon échantillon et un bon tissu. Donc voilà, je vous en reparle dès que je me lance. Mais voilà ce que j'ai reçu. Donc merci beaucoup à Langerns pour ce très joli colis. Ah, si vous voulez peut-être savoir, là j'ai le coloris, c'est le 146. Voilà, de le micron si vous voulez peut-être récupérer la même couleur. Ah, par exemple, moi le lace de Langerne, j'arrive à avoir le bon échantillon quand je fais des pulls en déca. J'ai fait par exemple là mon Home Before Dark avec un fil de fingering, un fil de lace, et j'ai réussi à obtenir sans problème l'échantillon demandé par Nadia dans le patron. Donc voilà. Mais tenu tout seul, je pense que c'est un fil qui est quand même extrêmement fin et qu'il faut faire attention. Donc voilà, c'est la petite nouveauté qui rejoint le stash. Bah, qui va rester dans sa boîte parce que j'avoue qu'elle est quand même vachement pratique. Hop. Au moins, il est bien rangé tout ça. Mais je pense que durant l'hiver, je vais les tricoter. Pareil, la muse que j'avais reçue, j'ai l'idée de faire un gros pull cocooning en la doublant également. Soit avec une déca, soit avec une. Je pense avec une fingering quand même. Mais un gros pull doudou. Et là, j'envisage plutôt un gilet. Je pense qu'un gilet, ça serait sympa. À voir. À voir, à voir. Donc voilà, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Thank you.
Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le pull Easy V de Kathleen Hunter que j'ai tricoté, je crois, l'an dernier dans les laines de chez Knitting for Olive, la Heavy Merino. C'est une laine assez épaisse. Elle est un peu sèche, mais elle pique pas du tout et je la trouve très agréable. Et avec le temps, franchement, elle s'adoucit énormément. Je l'aime beaucoup. Alors, quand je l'ai remis ce matin, il a son poids. Il est quand même assez lourd, hein, mine de rien. Je sais plus combien de pelotes j'ai passé là-dedans, mais on voit que c'est un gros pull d'hiver. Je l'aime beaucoup avec cette encolure en V. En V avec ses grandes côtes. J'aime énormément. Ce jacquard-là, qui est vraiment très simple, si vous voulez faire un premier jacquard, il est vraiment chouette. En plus, il est en grosse laine, donc il se fait quand même assez vite. De mémoire, il doit certainement se tricoter en 4 ou 4,5. On refait du jacquard aux manches. Un joli rappel que j'aime beaucoup. Voilà pour ce que je portais. Alors, depuis l'an dernier, finalement, j'ai perdu du poids. Il était déjà un peu grand avant, il est encore plus cette année, mais il est toujours portable. Il tient quand même bien aux épaules, même si, vous voyez, c'est un peu... C'est tout juste bien. Mais il a ce côté très de cela cocooning. Je trouve que pour finir la semaine, pour le vendredi, c'était parfait. Dans les petites images avant, vous avez pu voir, j'ai reçu un colis de Les Laines de Demain. Donc une nouvelle teinturière, elle s'appelle Nathalie. Je vous montre son petit logo. Hop là. Et pour me faire découvrir son travail, elle m'a envoyé deux échevaux. Donc il y avait aussi un petit paquet avec un petit anneau marqueur en cadeau et un petit sachet de thé. Ça fait toujours plaisir, des petites attentions comme ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, le premier écheveau, le voici. C'est son coloris Happy Halloween. C'était son coloris là du mois d'octobre. Elle fait un coloris chaque mois. Et le voici. Il est tellement dans les tons d'Halloween. J'adore. Il y a du orange, orange citrouille, du violet, du violet plus foncé, des zones presque noires. Et j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'aime. Hein. C'est plein de nuances. C'est des speckles. Regardez, il y a des speckles bleus. Donc j'aime beaucoup. Et puis non, moi je trouve que ça correspond tellement bien à Halloween. Un très très chouette coloris. Donc là, c'est dans sa base Fingering Socks. Donc 75% Merinos Superwash, 25% Nylon. Donc ça ira très très bien pour des chaussettes, mais je vais réfléchir quand même. Je sais pas si je vais mettre dans des chaussettes. J'aime beaucoup la couleur. Très jolie. Et elle m'a envoyé un deuxième écheveau. Oh, le voici. Une autre petite merveille. Cette fois-ci sur sa base Stellina. Donc 75% Merinos Superwash, 20% Nylon, 5% Stellina Doré. Et c'est le coloris bouquet de fleurs. Et là aussi, on a un écheveau bien nuancé. J'aime énormément du rose, du violet, du noir. Super beau. Non, un peu de speckle par ici. J'aime énormément. Vraiment des belles couleurs. Hop là. Donc merci à toi, Nathalie. Franchement, j'adore. Elle a bien choisi les couleurs. C'est super beau. J'aime énormément. Et alors, peut-être que celui-là il va quand même finir en chaussettes, mais celui-là il finira dans un châle. Il est trop beau pour être dans des chaussettes. J'aime beaucoup, beaucoup. Je vais y réfléchir. Voilà donc ce que j'ai reçu hier. Hop, Les Laines de Demain. Je vous mets les liens hein, si vous voulez découvrir son univers en dessous. Donc voilà, ça c'était pour les petites réceptions du jour. Forcément ce soir je vais voir Garance et compagnie, donc Karine à la mercerie, donc il y aura des craquages, j'aurai encore de la laine à vous montrer la semaine prochaine, voilà, et après il y aura le ch'ti bazar, n'en parlons pas, et ensuite c'est Noël, le stash hors de contrôle totalement, mais ça c'est pas grave, on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir. Donc on va parler tricot, mes chaussettes pas du tout avancées, je vous l'ai dit, je les garde pour ce soir, ce sera parfait pour l'apéro tricot. Mais promis, normalement, je reviens la semaine prochaine, lundi, avec une paire de chaussettes terminées. Il le faut. Je vais vous montrer ce que j'ai avancé sur le pull Coffee que je teste pour Laetitia. Hop, que je vous montre. J'ai un début de semblant pull. Enfin, j'ai rejoint le devant avec le dos. Ça y est. J'aurais peut-être dû prendre un cintre pour vous montrer, ça aurait été plus simple.
Donc là, on a le devant avec une jolie encolure en V, on a les épaules en dentelle. Et finalement, j'avais plus très loin à faire la dernière fois quand je vous l'ai montré. J'en étais là. Vous voyez, j'ai fait quelques centimètres et j'ai pu rejoindre. Alors j'ai juste rejoint, hein. C'est tout juste rejoint, j'ai rien fait de plus. Mais voilà, c'est rejoint en rond. Et donc là, comme vous pouvez voir, il y a toujours la dentelle au milieu du dos. En fait, elle va, on va en diminuant, elle va finir par disparaître. Mais donc pour l'instant, elle est encore là. Mes petits anneaux marqueurs de création solognotte sur le thème. Ils vont très bien avec, ils s'accordent très bien avec mon pull. Donc là, ça a beau être en rond, ça reste quand même... Voilà, il faut encore un peu d'attention pour finir la jolie dentelle dans le dos. Et il y a un moment où il n'y aura plus du tout de dentelle. Et là, ça ira beaucoup plus vite. Il n'y aura plus que du jersey à faire. Mais au moins, je trouve que c'est agréable. J'aime beaucoup la construction. C'était, ça change. J'aime bien. Et puis, bon, non, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. La dentelle, elle n'est pas simple. Hein. C'est le même motif qu'on a là. Là, vous la voyez bien sur les épaules parce que j'ai lavé mes deux épaules avant de reprendre. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir là quand même le résultat, laver la laine, elle se met tellement bien, là on voit quand même qu'il y a pas mal d'irrégularités dans mon tricot, et une fois lavée, elle se lisse super bien. Donc vous voyez, en fait c'est un peu cette idée là, comme ça que ça réduit dans le dos, ça fait un peu la même chose là que sur l'épaule. Et c'est un motif vraiment simple, et on voyez, c'est sur quelques mailles, on répète tout du long la même chose, donc franchement ça se fait bien pour une première dentelle, je pense pas que ça soit compliqué. Et le patron, il est bien expliqué, il est clair. Je sais que Laetitia a travaillé sur un rang par rang pour la dentelle dans le dos. Donc vous avez l'explication sous diagramme et vraiment par écrit rang par rang. Donc franchement, top. Donc voilà. Bah, l'objectif la semaine prochaine, ça serait bien de finir la dentelle et d'être que sur le corps en jersey. Il avance tranquillement et on retrouvera donc la dentelle sur les manches parce qu'elle est mise en attente là. Il faudra la reprendre... sur les manches. Et moi je cherche partout après mes câbles, mais vous voyez rien que là j'ai tout mis sur des petits cordons comme ça, tout mis en attente, j'en ai 4. J'ai même pas été fichue de prendre deux fois les mêmes. Là j'ai un noir, deux bleus, un vert fluo, et après je m'étonne que je les retrouve pas. Mais je suis pas là de les récupérer, hein, parce que bah, si je ferai l'encolure avant de faire les manches pour déjà débloquer cela, puis une fois que j'aurai commencé les manches, je vais commencer à les récupérer. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais je suis contente, ça avance bien, donc que je tricote avec les laines d'Autry. Faut d'ailleurs que j'aille bobiner un écheveau. Là, pour l'instant, je suis toujours sur mon premier, donc il n'y a pas de souci, mais faut que ce week-end, faut qu'on bobine un petit peu des laines, là. Bobiner ça pour avancer dessus, et bobiner aussi l'écheveau de mon chéri pour son bonnet. Donc, comme je vais finir la chaussette, normalement, je vais faire son bonnet. Donc ça, c'était pour mon pull, de même les anges tricotes. Et maintenant, je vais vous parler du pull de Kathleen Hunter que je tricote avec Mélanie et Céline. Là-dessus, j'ai une belle avancée aussi, je suis contente. Enfin, une meilleure avancée que sur l'autre pull, en fait. Mais j'ai fait par étapes, en fait. Une fois que même les anges, une fois que mon pull coffee l'avait rejoint sous les emmanchures, je m'étais dit, c'est tout, je fais plus dessus. Et j'ai tricoté lui pour en arriver au même stade. Et voilà ce que ça donne. Donc, quand je vous l'ai montré, j'en étais là, j'avais encore tout ça de jacquard à faire. C'est un sacré jacquard quand même à faire. Vous voyez, il n'y a pas photo, celui-là il est beaucoup plus simple que celui-là. Il n'est pas très compliqué, hein. Il ne faut pas en avoir peur, hein. Mais il est long, il y a quand même beaucoup de mailles. Là les derniers rangs, il y a un peu plus de 400 mailles, donc ça fait quand même des beaux rangs à tricoter. Mais le rendu, il est chouette. Et là, j'arrive à mieux me rendre compte en vous le montrant à la caméra. Parce que en étant toujours le nez dessus, je vois pas forcément bien les motifs. Vous voyez là, on voit quand je suis dans une zone claire de ma laine contrastante, on voit pas forcément bien les détails du motif. Mais j'aime beaucoup l'aspect, l'ensemble du projet, il va être beau, il va être très automnal, j'aime énormément. Donc maintenant à moi, là, la mère de jersey, tranquillement. Donc voilà, j'ai juste aussi juste séparé mes manches. Donc vous voyez, hein, j'ai cherché mes cordons, j'en ai un noir et un vert fluo, parce que impossible d'avoir des paires complètes maintenant. donc voilà, là j'ai juste fait ça et j'ai stoppé. On attend toutes d'être au même stade pour continuer. Donc voilà, lui pour l'instant, je pense que ce week-end, il risque de pas avancer. De toute façon, j'ai de quoi faire avec mon Steven West. Voilà. Alors, à la base, je fais donc le Alpine Bloom.
qui est une version t-shirt avec cette encolure en dentelle festonnée. Je crois qu'on dit feston hein, quand ça fait des ondulations. Donc, c'est une version qui est prévue à la base pour être un t-shirt, mais moi je vous l'avais dit, je voulais rallonger les manches parce que un t-shirt avec du jacquard, c'est pas ce qui me paraît le plus logique en fait. C'est quand même chaud et tout, et puis mon objectif c'est de le mettre là-haut à l'automne, donc moi il me faut des manches longues. Et vous avez peut-être pu voir, Kathleen a sorti la version pull, le. Ah, je sais pas, le automne alpine, qui a pas la même encolure, qui n'a pas la même finition au niveau des. Qui a pas la même encolure, mais qui a pas donc la même finition au niveau des manches et du bas du corps. Parce que dans la version t-shirt, cette dentelle se retrouve aussi à ce niveau-là. Et dans une. On doit faire la dentelle et venir faire un grafting pour la. Pour la coudre à la manche, pour avoir l'effet festonné également, parce que c'est en commençant par ce côté-là qu'on arrive à avoir l'effet festonné. Donc là, c'est pas du tout la même encolure, c'est quelque chose de plus rectangulaire. J'aime beaucoup cette nouvelle encolure, et sa nouvelle version est à manche longue. J'ai acheté le patron de la version manche longue, parce que j'aimais beaucoup ce petit détail d'encolure. Alors moi clairement mon encolure elle est faite, je vais pas la modifier, mais je pense faire le poignet du pull en fait prendre la version du pull là pour faire les manches et le poignet de la version automne alpine. Voilà, faire un mix des deux patrons. Après en soi donc le patron il change pas beaucoup, c'est exactement la même grille de jacquard, il y a le même nombre de mailles, donc je peux sans problème adapter les manches dessus. Et il y a juste des rangs raccourcis supplémentaires. Mais qui sont optionnels dans la version pull, qui ne sont pas dans la version t-shirt. Donc voilà. Donc oui, elle a quand même revu son patron. C'est plus la même encolure. Il y a voilà cette finition pour les côtes et tout qui est sympa. Puis donc avec des manches. Alors les manches, elles sont toutes simples. C'est pas, y a rien de compliqué dans les manches. Mais voilà. La différence entre les deux patrons. Donc en soi, si vous avez déjà celle-là. Alors moi, je vous avais. Ben, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le poignet de la version pull, donc j'ai acheté le patron. Mais en soi, si vous avez déjà celle-là, il n'est pas compliqué d'adapter la version t-shirt en version pull. Il suffit juste que soit vous faites des manches droites et vous faites plein de diminutions juste avant de faire des côtes, ou soit vous faites des diminutions régulièrement, soit vous arrivez vous-même à évaluer quand est-ce qu'il faut les faire, ou soit vous prenez un autre patron de pull en fingering, parce que normalement c'est un échantillon fingering, donc et vous adaptez quoi, c'est pas compliqué en ayant, si vous avez déjà fait des pulls, vous devriez réussir à faire des manches longues. Mais là bah voilà, moi je fais un mix entre la version printemps et la version automne du modèle alpine. Je me suis pas embêtée. Et je préfère beaucoup plus la version automne parce qu'on voit beaucoup mieux le jacquard. C'est vrai que sa version Bloom, là, le Alpine Bloom, la version de Kathleen Hunter, elle me faisait pas envie parce que son jacquard, il était trop nuancé, on voyait vraiment pas bien le motif. Je trouve que c'était vraiment dommage, elle avait dû prendre la Spin Cycle et moi j'aime pas trop le rendu. Mais par contre, il y avait des gens qui l'avaient testé et qui avaient fait des versions bien contrastées et on voyait bien le motif et ça rendait bien. Donc voilà, lui, bah, il va pas avancer du week-end, mais là, voilà, après, c'est que le corps en jersey. Alors, comme je vous ai dit, dans la version pull, il y a des rangs raccourcis qui vont être en bas pour, en fait, allonger le dos. Je serais bien tentée de les faire, mais je verrai en fonction de la quantité de laine que j'ai, parce que là aussi, je suis peut-être un peu juste en termes de laine, je sais pas trop. Donc, à voir. À voir comment je vais me goupiller dans tout ça. Donc voilà, c'était mes avancées pour cette semaine. Bah, au final, j'ai quasiment que des gros projets. À part mes chaussettes, j'ai que des gros projets sur mes aiguilles, mais ça avance tranquillement. Ça avance, ça avance. Eh bien, si vous ne voulez pas voir le Steven West, bah, ça va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent savoir. Donc la fin de l'indice 3 et le début de l'indice 4 du Steven West, ça se poursuit maintenant. Alors on se retrouve pour le Steven West. Donc on en est au la troisième semaine, troisième indice. Ah, cet indice qui est si beau mais si long à tricoter.
Alors, je vous avais quitté la semaine dernière, j'avais fait une pointe de mon tricot. Hop, voilà, je vous la remontre. Comme c'est joli. J'aime beaucoup, hein, je vous l'avais dit, hein, je me répète, mais alors ce point-là qui forme une sorte de zigzag, je le trouve super beau. Très très joli. J'aime beaucoup le rendu. Donc on voit bien qu'on a un châle qui part en forme triangulaire. Hein. Là, je pense que je me risque pas trop en me disant que ça doit être le haut du châle par ici qu'on va le porter. Et donc maintenant, bah, il faut faire l'autre côté. Alors j'ai déjà assez bien commencé quand même. Hop, ce que je vous avais dit en fait, jeudi, vendredi, quand on a reçu le premier cet indice-là, j'ai beaucoup tricoté dessus pour que ça soit fait. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps au départ parce que je me suis dit, oh, ça rétrécit, ça va aller vite. Non, pas du tout. Voilà, donc, mais je m'étais dit, hop là, quand je me suis rendu compte que c'était long, je me suis dit, je le fais en une fois parce que l'effet miroir. Ça va changer quelques petites choses et moi j'aime pas trop ça, j'ai du mal quand par exemple un motif quand il est là puis qu'après il se retrouve là, et ben j'ai beaucoup de mal à me remettre dans le nouveau rythme. Donc là je savais que je m'étais dit je faisais ça, je n'y pensais plus du week-end et je le reprenais. J'aurais un peu oublié ce qu'il y avait là. Et finalement, donc je l'ai repris hier soir pour m'avancer un petit peu parce que je savais que ça allait être long. J'ai pas eu de mal à passer de l'autre côté. Donc, de toute façon, déjà rien que dès le premier rang, c'était pas pareil. Parce qu'on vient refaire on vient rabattre les mailles de ce côté-là avec un I-cord pour tricoter que sur cette partie-là du châle. Et puis voilà, c'est reparti. Alors, je pense que maintenant que je sais à quoi m'attendre, je connais quand même bien le point. Je trouve ça un peu moins long à tricoter. Peut-être le fait d'avoir fait une grosse coupure aussi, je suis contente de le retrouver, j'aime beaucoup toujours le rendu. Donc là, je sais que j'ai fait deux rayures violettes et il m'en faut 6 au total. Parce que maintenant, je peux me repérer. Que mon objectif aujourd'hui, c'est d'arriver là. Voilà, après que je vous ai parlé, je vais tricoter dessus et je vais refaire toute une répétition de 4 rayures. Et demain, mardi, j'essaierai de finir le reste. Comme ça, je vais pas trop trop en faire d'un coup. Ça va étaler sur 2 jours, je pense que j'aurai fini. Après ça va en réduisant, donc ça va quand même de plus en plus vite. On va dire que j'ai fait la partie la plus longue. Mais voilà. Alors ben vos retours, c'est qu'il y en a certains quand même qui sont assez démoralisés par cet indice-là. Il est long. Et c'est vrai que pour voilà. C'est quelque chose d'assez dense à tricoter. Quand on veut essayer de tenir le rythme du MKL, c'est pas forcément ce qu'il y a le mieux. Mais c'est vrai qu'il n'aurait pas pu le faire autrement. Il n'aurait pas pu. Commencer à nous donner un petit peu d'indice dessus la semaine dernière pour qu'on prenne de l'avance, non? C'est vrai que ben voilà, le découpage des sections, il est quand même bien fait. On a d'abord fait tout le centre, après on est venu faire tout ce qui était là. Bon bah ben, c'est vrai que cette partie-là est assez longue. Mais c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup le rendu, même si ça fait énormément de rayures. Voilà, je vous le montre comme ça. Rappel, hein, je vous montre pas en entier parce que j'ai gardé l'indice 1 original et que comme il peut poser problème, je ne le montre pas en entier. Donc on commence à avoir une bonne longueur parce que vous voyez, j'arrive même pas à vous le montrer. J'arrive même pas à vous le montrer en entier. Donc il a vraiment une très bonne longueur. Oui, je pense qu'après on va repartir vers le bas. On verra bien. Jeudi, on aura la surprise et on saura ce qu'on doit faire. Donc voilà, c'est reparti ben, pour la pointe, ben, toujours cette histoire de mailles glissées, tout ça, c'est. Ouais non, c'est pas mal, c'est très joli le rendu. Il faut être attentif dessus parce qu'on peut quand même vite faire une erreur. Même là encore, hein, que j'ai l'habitude, que je commence à prendre l'habitude de le faire. Il y a pas. Il y a des fois où je vais glisser une maille de trop, une maille de moins. Donc il faut défaire pour reprendre bien. Parce que ben, moi là, je suis quand même du genre à vouloir que ça soit bien fait. Même si je pense qu'une petite erreur dedans, ça se verrait pas. Sauf si vraiment on regarderait rang par rang, et oui, on le verrait, mais je pense que de loin ça se verrait pas du tout. Mais voilà, ouais, c'est un indice assez long à tricoter. Mais bon, je vais vous remontrer ça mercredi, ben fini, hein, j'espère bien. Cette partie-là finie. Au niveau des laines, donc je tricote, bon, vous avez peut-être l'habitude maintenant, mais avec le coloris rose des sables de Tricot et Stitch, je trouve que mes pelotes elles diminuent fort vite, à part celui-là. Je sais pas pourquoi, alors celui-là, il m'a l'air toujours aussi. Mais il est plus gros que les autres. Là, on a le coloris Salamèche de Bulbe Bizarre. Pauline, ah, j'adore ce coloris, trop beau.
Ici, on a le Miss Lauriane de laine de mout. C'était mon petit coloris qu'elle avait créé pour moi. Avec Miss Framboise, toujours de laine de mout. Donc là, on est sur la base Lurex. Là, on est sur la base Stellina. Et ici, c'est... Les deux autres laines sont du 85% Mérinos Superwash, 15% Nylon. Et quand même qu'on diminue pas mal, ça diminue pas mal hein, les quantités de laine. On verra bien. Le dernier indice, il est modulable. Hein, voilà, on peut aller jusqu'au bout de sa laine ou s'arrêter avant. Donc je verrai bien ce que je ferai. Tout dépend de ce qu'il faut tricoter, si c'est pénible, si c'est long, tout ça. On verra. Mais je trouve qu'au niveau des laines, on a déjà quand même bien chaud que ça part vite. Mais bon, je vais en réduisant, donc ça va pas, je devrais pas trop manquer, je pense pas manquer de laine, de toute façon il avait dit que tous ceux qui avaient fait le premier indice pouvaient tout défaire, et qu'il manquerait pas de laine, parce que lui apparemment je crois qu'il lui restait à peu près 20 grammes de chaque couleur à la fin du châle, donc normalement ça devrait être bon, on devrait être large, on devrait pas manquer de laine, mais j'avoue que oui ça fait un peu peur parce qu'on voit tout diminuer et on ne sait pas ce qui nous attend encore après. Suspense. Nous sommes mercredi, c'est la petite pause entre les deux indices. J'ai terminé de tricoter mon indice hier, oui c'est ça. Hier j'ai réussi à finir le 2, bah ça m'a pas paru aussi long que je l'aurais cru, donc ça va, je suis contente, j'ai pris plaisir à le tricoter. Donc il est de ce côté là, non c'est de ce côté là, je sais même plus. Enfin voilà, j'ai mes deux pointes. Mes deux pointes sont faites. Je ne sais déjà plus de quel côté c'était, mais c'est pas grave. Mémoire de poisson rouge. Non, ça a été. Franchement, j'ai trouvé ça... Non, c'était de ce côté-là, je pense, la pointe. Oh, j'en sais rien. Bref, voilà, c'est fini. En attente du deuxième, du dernier indice, par contre, j'ai un petit peu peur. Parce que là, je n'ai aucune aiguille sur... mon châle. On a rabattu les mailles dans tous les sens. Il y a un I-cord qui fait tout le tour du châle. Ça me fait un peu peur. Donc on a cette partie-là qui est un petit peu... c'est le bas du... Vous voyez, parce que ça fait hop, un triangle. On n'a pas la pointe, en fait. Ici, ça fait un plat. Et là, on a la suite du triangle. Donc je pense que c'est de ce côté-là qu'on va poursuivre. Je pense qu'on va relever plein de mailles. Je pense qu'on va avoir beaucoup de mailles sur les aiguilles. Puisqu'il va nous faire faire une bordure. Et ça peut pas être une bordure comme le strip, slip extravaganza. Où, en fait, je me... Alors moi, je l'ai pas fait. Mais je sais que la bordure, en fait, c'est plusieurs sections de fil. Plusieurs sections de couleurs. Qui viennent pop se mettre tout autour du châle, qu'il n'y avait pas trop de mailles sur les aiguilles, mais il fallait faire tout l'arrondi du châle, mais ça permet pas de jouer avec sa quantité de laine, tout ça, là, ça faisait un truc assez fixe hein, en taille, on pouvait pas l'agrandir ou autre, donc c'est que comme il dit qu'on peut là jouer avec sa quantité de laine qui reste, c'est que on part du principe qu'on va commencer, on va faire tout le rang complet, et puis on va le tricoter jusqu'au bout de sa laine, je sais pas trop. Je sais même pas si j'ai été claire dans ce que je viens de raconter. Mais dans ma tête, c'était clair. Moi, je sais ce que je voulais dire. Enfin, on va voir. Ben, pour l'instant, on est dans l'attente hein, d'avoir le dernier indice ben, demain. Au niveau des laines, j'ai tout pesé. Je suis à peu près à 50% de la laine pour tout. Il y en a certains où il me reste 48 grammes. D'autres, c'est plutôt 55 grammes. Mais grosso modo, j'ai à peu près utilisé la moitié de chaque écheveau. Donc, il me reste la moitié. Donc, en fait, largement assez pour la fin du châle. En fonction de ce qu'on a à faire, de si c'est long, surtout si c'est des grands rangs, que vraiment on relève les mailles tout le tour du châle, enfin tout le bas du châle, clairement j'irai pas au bout de ma laine, je pense pas que... Je vais pas non plus souffrir pour finir le châle et me dire je veux pas de reste du tout. Non, c'est pas grave, je ferai le minimum requis, mais pas peut-être pas aller jusqu'au bout de ma laine si je trouve ça trop long à tricoter. Je manque pas d'idées, d'envie de faire autre chose après, donc... Voilà, je serai au moins le minimum requis, mais pas sûr que j'aille plus loin. J'ai hâte, comme j'appréhende un peu de ce qui va arriver ensuite. Puis après, il y aura le lavage et couper tous les petits fils. Bon, après, tout est bloqué, hein, déjà dedans, mais il va falloir tout bloquer, tout couper. Non, mais je sais pas où on va. Je m'attends à ce qu'on relève des mailles, hein, pas mal de mailles, je pense. Comment on avait fait l'an dernier? Quand on avait fini? Je me souviens plus. On avait fait des chevrons que sur le bas du...
peu sur le bas du châle. Parce qu'en fait, au final, il a une forme. C'est pas la même forme, mais un peu dans l'idée. C'était pareil, ce qu'on avait fait, hein, une sorte de trapèze au milieu. On avait fait une pointe, une autre pointe. Il y avait eu deux bordures sur les pointes. Et puis après, on avait été venu faire des chevrons sur le bas du trapèze au milieu. Ça donnait quelque chose d'assez triangulaire. Voilà. Mais là, vraiment. Ouais, non. Non, non, je pense que là, il y a. Parce que si je vous le montre, si je me mets debout, hop. Là, vous voyez, on a vraiment cette pointe-là. Hop, hop, hop. On a le plat ici. Et on a la pointe à ce niveau-là. Donc, vraiment, je pense qu'il va y avoir là quelque chose bah, dans tout le bas du châle. Mais qui va se tricoter un grand rang. Et puis, on va le descendre pour aller au plus loin de sa laine. Je pense pas que ça soit quelque chose qu'on commence là. Vous voyez, je pense que ce que je vous disais tout à l'heure dans le slip extravaganza, c'est pas facile à dire. La bordure commençait ici et puis on faisait, non, moi j'ai rien fait du tout, je l'ai pas fait. On fait des sections qui viennent se raccrocher petit à petit tout le long du châle. Mais ça me permet pas de jouer avec ces quantités de laine, à aller au bout de sa laine, tout ça. Donc c'est pour ça que je pense pas que ça soit ça. Enfin bah, mystère jusqu'à demain, hein, et après on saura ce qui nous attend. Donc ben, je reviens vous en parler vendredi, ben, voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui ne le font pas, vous saurez ce qui m'attend pour la fin du châle. Puis ben, j'aurai commencé, hein, parce que dès que l'indice, enfin, pas que dès qu'il indice il sort, je ne le tricote pas parce que je travaille, mais c'est le tricot du jeudi après-midi, du jeudi soir, voilà, c'est dès que je peux, je tricote dessus, je me jette dessus pour voir, savoir ce qu'on fait, pour le commencer. Après, voilà, je le retricote sur plusieurs jours, mais c'est vrai que sur le coup, le jeudi, je suis dans l'impatience de faire ça. J'attends pas le vendredi ou le samedi pour découvrir. Non, non, dès que je peux, je fais ça. Donc voilà, on se retrouve vendredi pour le dernier indice du Steven West. Ça y est, le géogradient a révélé tous ses mystères. On sait comment se termine le châle, et comme je vous l'avais dit il y a 2 jours, ce dont j'avais un peu peur, c'est réalisé, il a fallu relever les mailles tout le long du châle, enfin, sur toute la partie basse du châle. Alors, sur le coup ça m'a fait un peu peur, et puis je me suis dit, oh, ça va être long. Finalement ça se fait bien, parce que je trouve qu'on se repère bien, alors, sans vous montrer pour l'instant la bordure. Vous voyez, donc on relève les mailles de l'autre côté, mais en fait on les relève... On relève 8 mailles, donc en fait il y en a 4 dans une rayure, puis 4 dans l'autre rayure, on fait une augmentation, puis ainsi de suite, par exemple tout du long. Il a divisé en fait les nombres de mailles à relever en plusieurs sections, j'ai trouvé que ça permettait d'être un peu plus fluide, de moins s'y perdre, et ça prend du temps, hein, certes, hein, surtout quand il faut recompter derrière toutes ces mailles, parce qu'il dit ah, c'est important d'avoir tout le bon nombre de mailles. Enfin, c'est pas que c'est important, c'est que bah, il faut savoir combien on en a, parce que sur le deuxième rang, ensuite, sur le deuxième rang, après, on vient ajuster. Soit on en ajoute une ou deux, ou soit on en retire une ou deux si on s'est trompé. Mais pour ça, il faut les avoir comptés avant. Donc, on se retrouve maintenant avec une bordure d'à peu près 500 mailles, et avec un point qui fait qu'on switch entre 500 mailles et 1000 mailles. 500 mailles et 1000 mailles. Et ouais, et on fait ça assez souvent, en fait. Ben, il y a un point, vous allez voir le point, qui fait qu'on passe de 500 mailles à 1000 mailles d'un coup, et après, on doit tout rediminuer pour revenir à 500 mailles. Donc sur le coup ça m'a fait peur quand j'ai vu les nombres de mailles et tout dans le bâton, je me suis dit oula. Et au final, voilà, maintenant que je suis dedans, que j'ai commencé à le faire, j'aime bien. Ça va prendre du temps certes, mais je trouve ça très rigolo à tricoter, j'aime beaucoup le rendu. Et puis c'est la fin du châle, donc je me dis voilà, plus j'avance, plus je m'approche de la fin. Donc ça va, finalement ça va. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors, mon câble est bien trop court pour vous montrer le châle en entier. Mais voyez, côté la bordure, voilà ce que ça donne. Donc là, je l'ai répété une fois et je vais devoir répéter ce motif. Là, vous voyez là, ce motif avec les 3 autres couleurs. Donc là, je l'ai fait avec ma couleur B. Donc je vais faire avec C, D et on termine avec la A. Et ensuite, on termine avec un I-chord. Alors, on peut le répéter. Je vous l'avais dit, il nous propose. Hein, on peut en fait refaire ce point-là plusieurs fois. On peut répéter les rayures plusieurs fois si on veut utiliser si on veut utiliser sa laine jusqu'au bout. Que nenni. Non, non, non. Ça prend quand même du temps à faire. Le faire une fois par couleur, ça va me suffire. Je m'arrête là.
Ensuite, autre chose, il finit avec des mini franges tout du long du châle. Bah ça non plus, non, ce sera sans moi parce que j'ai pas envie de m'embêter déjà de couper autant de petits morceaux de fil. Et puis les franges, c'est pas mon dada, donc je vais m'arrêter là. Alors, on vient relever ces mailles tout du long. On vient faire une longue bande de jersey, donc vous voyez que mon coloris A en dessous. Et quand on a fait, donc on a fait tout, alors on fait tout ça, mais tout du long du châle. Hop, hop, hop. Donc là, je vous ai montré, j'en suis même pas à la moitié du châle. Ah, c'est où qu'on en est là? Non, je suis pas encore à la moitié du châle. La moitié du châle, elle se situe. Ah bah si, là. Oh, vous voyez, je suis perdue à la longue. Si, la moitié du châle, elle est là. Vous voyez, rien que là, ça c'est la moitié du châle. Bref, on en fait plein et on continue de l'autre côté. Ah, pour arriver jusqu'à l'autre pointe, vous voyez, c'est tout assez. J'arrive vraiment pas. Mon câble est vraiment pas assez grand pour ça. Donc on vient faire quelques rangs de jersey en droit tout du long, donc chaque fois 500 mailles à l'aller, 500 mailles au retour. Et ensuite on vient faire ce point, alors il appelle ça dip 5. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je n'ai pas été chercher à savoir. Ça se fait bien, c'est une histoire de mailles allongées qu'on vient prendre derrière. Et vous voyez, derrière c'est propre aussi, ça fait beau. Donc ce sont des mailles allongées qu'on vient chercher. Et puis voilà, en fait, hein, bah, c'est pas. Il a la vidéo qui explique bien comment on fait une fois. Franchement, moi j'ai pris vite le pli de le faire, c'est pas été problématique. Il propose de faire un échantillon au départ. Alors je me suis dit, non, pas d'échantillon, parce que j'avais pas envie de perdre. Je me suis dit, il va y avoir du travail dessus. Je vais pas perdre mon temps avec un échantillon. Puis je me suis dit, je verrai sur le tas. J'avais déjà regardé une première fois comment il faisait. Et ensuite, quand je me suis lancée, j'ai re-regardé à nouveau la vidéo pour voir, le faire en même temps que lui. Et franchement, ça c'est bien. C'est ça qui est bien quand même avec Steven West, c'est qu'on a des vidéos pour tout. Même relever ses mailles, je l'ai fait avec lui en vidéo pour être sûr de bien. Voilà, là on s'arrête, là on reprend un nouveau compte de mailles à relever, tout ça. Moi, il le fait en vidéo, clairement, il montre bien comment on relève dans l'i-cord. C'est vrai que pour ça, c'est vraiment chouette, il aide énormément. Et donc voilà le rendu. Donc là, je l'ai fait le premier dip. Premier rang de dip 5 là en orange. Donc maintenant je dois faire quelques rangs de jersey à nouveau en orange pour faire venir faire ces fameux dip 5 avec ma couleur suivante. Donc c'est long. Je peux pas faire autre chose en même temps. Moi. Je peux écouter la télé ou autre, mais je peux pas regarder quelque chose. Il faut absolument que je regarde mon tricot, que je regarde où je pique mon aiguille pour ressortir la laine. C'est quelque chose qui prend du temps, hein, qui demande de l'attention. C'est pour ça que le faire une fois par couleur, ça va me suffire. J'ai franchement pas envie de le faire plus qu'une fois. Mais voilà, j'avoue qu'une fois que ça sera fini, ça sera chouette. Ça sera vraiment très joli et le rendu sera sympa, je pense. Donc voilà, bah, l'objectif, ça serait de le finir courant de semaine prochaine. Alors, normalement, idéalement, il devrait être fini pour jeudi prochain, comme c'est le rythme des autres indices. Mais je sais pas si je vais réussir ou pas. Bon, je me prends pas la tête. Franchement, voilà, c'est la fin du MK. De toute façon, d'ici demain, il aura posté la photo du châle en entier sur Instagram. Alors quand même avec un spoil alert avant, mais il l'aura déjà posté. Ben. Donc voilà, c'est la fin du châle. Il va plus y avoir beaucoup de suspense hein, maintenant. Les gens, ils vont être spoilés à tout va parce que les gens ne vont plus avoir l'obligation de mettre un spoiler alert au départ. Donc voilà, donc c'est parti pour des très longs rangs. Mais de toute façon, on s'en doutait, hein, vu la forme du châle, forcément qu'on allait relever les mailles tout du long du bas. Mais j'aime bien, c'est différent, c'est du Steven West, c'est un point particulier, original. J'aime beaucoup le rendu. Le châle, à la fin, il n'est pas immense. Il y a quand même 4 échevaux, hein, mais. Par exemple, je pense qu'il est plus petit que celui de l'an dernier. Après, à voir si au blocage il va s'étendre, mais je trouve qu'en plus il est quand même assez rigide. Moi, je trouve que ce point-là, ça manque un peu de souplesse, ça fait quand même beaucoup de matière. Ouais, ça fait beaucoup de matière à ce niveau-là. Ça aussi, hein, ça fait assez épais. Donc, ça va pas être un châle hyper souple et tout. Et en taille, je sais pas trop. Ouais, alors là, qu'il est bloqué sur les aiguilles. Bah, il est assez grand, mais il va pas être immense, immense. Ouais.
On verra bien une fois qu'il sera fini. Mais ça y est, c'est parti pour la finale. La jolie board. Elle est belle. Franchement, elle est belle. Ça va être sympa, mais un peu long à faire. C'est globalement, je pense, le résumé de ce châle-là. Il a été un petit peu quand même long à faire dans tout. Entre soit c'était pas très fun, ou soit c'était long. Voilà, c'est un peu le bilan du châle. Des parties pas fun et des parties longues, mais fun. Enfin voilà. Donc je vous en reparle la semaine prochaine. On verra bien. Oui, genre je pense que pour le vlog prochain, même si je termine pas le jeudi, je pense que pour le vendredi fin de journée, il sera terminé, hein. On verra bien. Ça sera la surprise. Donc je sais que je vais pas manquer de laine parce que ouais non. Là vous voyez, j'ai fait donc déjà les fameux petits dips avec mon ça à la mèche. Donc là je dois faire les quelques rangs de jersey qui suivent et après c'est de cette couleur-là, je la reprends plus. Je crois qu'il lui dit de le faire avec ça le Lycord. Donc peut-être que je ferai Lycord avec, mais voilà, c'est vrai qu'il va pas. Je manque pas de laine, tout ça, ça va. Je saurais pas vous dire si ça consomme beaucoup de laine de faire ça. Je pense que oui, hein, ça fait quand même, vous voyez, des longues mailles étirées. Mais voilà. Voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce final, si vous le faites, si vous êtes content de cette bordure ou non, si vous avez réussi ou pas à finir les pointes, parce que je sais que sont quand même assez longues à faire ces pointes-là. N'hésitez pas à me partager votre avis en dessous. Voilà, donc là on est vraiment arrivé au bout de la vidéo. J'espère que ce passage de Steven West vous aura plu, de voir mes avancées. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!